chère Église Le Portail et je salue aussi tous ceux qui se joignent à nous en ligne, not notamment notre site de l'Abitibi et je suis heureux de poursuivre notre série estivale qui se nomme « Variété ». Et euh, peut-être que vous n'êtes pas au courant à la maison, mais nous à l'Église Le Portail, sur le staff, on a un pasteur qui se vante souvent que lorsqu'il était au secondaire, il était un champion d'arts martiaux, un champion de taekwondo, qui a même gagné des grandes compétitions. Et pour préserver son égo, je vais taire son nom. Je vais juste en profiter pour le féliciter pour son jeune enfant qui vient de naître il y a quelques semaines. Donc, félicitations pour ton nouveau bébé. Mais moi, je n'en parle pas vraiment. Mais quand j'étais au primaire, j'étais tellement bon en arts martiaux que j'ai déjà, sans le vouloir, à cause que je suis tellement bon, j'ai humilié un grand professeur qui était reconnu pour être un des meilleurs professeurs d'arts martiaux dans la région. Je te raconte, l'école fait un événement sportif, ils invitent ce professeur, il vient nous donner une petite session, un petit cours et tout ça. Et le professeur essaie de vanter ses mérites et le, de vanter les mérites de son école. Il nous dit que les arts martiaux, ça nous donne une confiance parce que peu importe contre quoi on peut être attaqué, on peut répondre par les arts martiaux. Et il dit peu importe. M'attaque ou comment il m'attaque, j'ai toujours quelque chose que je peux faire pour me protéger. Et là, il nous met, il nous, il nous lance le défi, puis il nous dit Vous pouvez, vous pouvez me faire n'importe quoi et je suis capable, je suis sûr que je suis capable d'arrêter votre attaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer Et là, je vous rappelle, en classe de primaire, on est en deuxième ou troisième année. Et là, moi, j'ose lever la main. Il me dit Oui, tu peux venir en avant. Et là, il insiste, il dit Attaque-moi, fais n'importe quoi et je vais être capable de parer ton attaque. Et là, je, je précise, j'y dis, N'importe quoi. Il dit, n'importe quoi, je suis capable de parer ton attaque. J'ai dit, OK. Pow! Qu'est-ce que tu fais? Et là, la classe se met à rire. Et en fait, je n'ai pas voulu l'humilier, mais ce que ça lui a fait rendu compte à ce moment-là, c'est qu'il ne pouvait pas parer n'importe quoi. Finalement, ce qu'il voulait dire, c'est on va se mettre à genoux sur un petit tapis bleu, tu vas me donner un coup de poing semi-lent vers le chest, et là, je suis capable de te neutraliser avec élégance. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai qu'il était capable de parer n'importe quelle attaque qui pourrait arriver dans la vraie vie un soir lorsqu'il se promenerait tout seul en pleine ville. Et j'aime à penser que peut-être que ce moment que nous avons vécu l'a remis en question et que là, il va être dans son lit, il va avoir de la misère à dormir, il va se dire « Hey, c'est pas vrai que ma méthode me permet d'être en sécurité contre tout et que cette petite humiliation-là, lui a permis de réviser sa méthode, de devenir meilleur, de se préparer sur comment parer une attaque de ce genre et que peut-être que mon ce que j'ai fait quand j'étais enfant dans l'école primaire peut-être qu'un jour ça va y sauver la vie. C'est sûr je vais très loin ici, mais ce que je veux dire c'est que parfois Dieu permet que nous vivions des petites humiliations qui nous, qui nous rappellent que nous ne pouvons pas reposer notre sécurité sur notre, notre impression que nous sommes en contrôle de notre vie, que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos propres ressources, sur nous-mêmes. Parfois, Dieu humilie nos ressources il nous amène au bout de nos ressources il humilie notre ego afin d'élever dans notre vie sa gloire à Lui nous rappeler que nous devons dépendre de Lui uniquement parfois dieu abaisse notre ego pour élever sa gloire dans notre vie et de la même manière que ce prof a appris qu'il ne pouvait pas combattre contre n'importe quoi et qu'il devait améliorer sa méthode il ne pouvait pas être sûr avec sa méthode parfois Humilier notre ego, c'est une question de vie et de mort spirituelle et éternelle dans notre vie. Et Dieu le permet pour que nous apprenions à ne pas mettre toute notre sécurité en nous, mais mettre plutôt notre confiance en lui, en sa grâce et en sa gloire. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec le récit de Gédéon, récit de Gédéon que l'on retrouve dans le livre des juges dans l'Ancien Testament. Pour rappel, j'ai déjà prêché sur les juges dans notre série de l'été passé que tu peux retrouver facilement sur YouTube, SoundCloud, Spotify. J'ai prêché sur les deux derniers juges. Donc, j'ai prêché sur Jephthé, j'ai prêché sur Samson, et là, on remonte d'un juge. Donc, Gédéon, c'est l'avant-troisième dernier juge du livre des juges. Et s'il y a une chose à retenir de Gédéon dans euh, le livre des juges, c'est que Dieu n'a pas besoin de toi. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Mais laisse-moi te dire que toi, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton consentement, ni de ton aide pour te sauver, pour te bénir, pour agir à travers toi. Dieu n'a pas besoin de toi pour le déclencher, pour le pousser à agir. Dieu n'a même pas besoin de toi pour faire sa mission. Dieu agit dans notre vie sans... Qu'on sans qu'il qu ait besoin de notre consentement, comme je l'ai mentionné, Dieu est capable d'agir sans nous. Dieu est capable d'agir dans notre vie, même des fois, malgré nous-mêmes. Hein? Dieu va appeler Nabucodonosor dans l'Ancien Testament, qui est un méchant roi de Babylone, qui, Dieu va utiliser ce roi-là, il va même l'appeler ce méchant roi euh, Nabucodonosor mon serviteur. Dieu peut nous utiliser même malgré nous, il peut agir sans nous, et il peut agir bien évidemment avec nous à ses côtés. Mais à chaque fois que nous le faisons, nous devons réaliser que toute bénédiction, tout agissement de Dieu est toujours, toujours une grâce imméritée qu'on n'a pas gagnée et qu'on ne peut pas gagner non plus. Et servir aux côtés de Dieu, c'est toujours un privilège. La clé, c'est que tu n'es pas l'arme secrète de Dieu. Tu n'es pas l'arme secrète de Dieu. Tu n'es pas, tu n'es pas l'arme secrète de Dieu que Dieu a préparé depuis sa naissance pour accomplir et réussir son ministère. Et cette vérité-là, c'est quelque chose qui, bien sûr, vient toujours heurter notre ego, mais qui peut être à la fois tellement libérateur de réaliser Hey, je pas le poids de, l de du monde sur mes épaules, je n'ai même pas le poids de ma propre vie. Dieu est en contrôle. Le fait d'être aux côtés de Dieu, le fait de servir Dieu, c'est simplement un privilège de grâce que nous avons. Dieu veut que nous servions à ses côtés parce que nous sommes ses enfants, non pas parce que nous sommes des armes secrètes. Lorsque mon épouse, je vous rappelle, hein, j'ai une petite fille de un an et demi. Et régulièrement, mon épouse l'intègre maintenant à la, à la préparation parfois des repas, des desserts. Ma, mon épouse ne choisit pas ma petite-fille Jeanne de un an et demi à cause de ses grands talents culinaires exceptionnels. C'est pas Jeanne qui vient sauver le repas. En fait, Jeanne rend tout le processus plus difficile et compliqué. Hein? Il y a plus de, de, de farine partout, il y a plus de choses à ramasser, il faut tout nettoyer, il faut toujours la garder, la préserver, parce qu'elle aime ça, les couteaux, il faut toujours la préserver, ne pas toucher les couteaux coupants. Ça, ça demande du trouble, ça, ça, il y a beaucoup plus de choses à ramasser à la fin. C'est difficile de l'intégrer au repas. Et jamais nous prenons cette décision-là parce qu'elle est bonne. Non, c'est parce qu'elle est notre enfant, qu'elle a ce privilège de grâce d'être intégrée, même si ça nous demande plus d'efforts de l'intégrer. Des fois, ça fait un plus gros gâchis de l'intégrer, mais c'est son privilège d'enfant. Et c'est un privilège et une grâce que d'être aux côtés de Dieu. Et toute bénédiction que nous recevons est toujours une grâce imméritée. Et c'est ce que Dieu fait ressortir à travers Gédéon. En tant que croyant, on doit réaliser qu'on doit arriver à un moment où soit que nous développons dans notre vie l'humilité, ou nous allons faire face à l'humiliation. Soit tu développes l'humilité, soit tu fais face un jour à l'humiliation. Et parfois l'ego est brisé pour que la gloire de Dieu soit élevée. Petit contexte avant qu'on entre dans la lecture du livre de Gédéon de, du récit de Gédéon. Je te remets en contexte du livre des Juges. Le livre des Juges dans l'Ancien Testament. est l'un des livres dans lequel on retrouve les pires récits de toute la Bible. Hein, ceux qu'on retrouve les plus sanguinaires, les plus cruels de toute la Bible se retrouvent dans ce livre-là. Et si on devait décrire le livre des juges, on pourrait lui donner, on pourrait le rapprocher d'un genre de film, un genre cinématographique qu'on retrouve beaucoup, et, et, et je te rassure, hein, je ne suis pas en train de faire l'éloge de ce genre, je suis juste en train de t'expliquer le style du livre, il ressemblerait au genre cinématographique qu'on appelle gore. Le genre gore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un genre qui est visuel, qui est graphique, qui a pour but de démontrer de la manière la plus visuelle et graphique la cruauté humaine, la manière la plus visuelle dans le but de choquer et de réveiller le spectateur qui est endormi, qui ne réalise pas le mal qu'il y a dans le monde. Le but, c'est de montrer la cruauté humaine de manière explicite pour choquer et réveiller le spectateur endormi. Et c'est exactement ce que le livre des juges fait dans la Bible. D'ailleurs, dans le livre des juges, il y a un refrain qui revient régulièrement et ce refrain, c'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et je ne sais pas si tu remarques l'ironie quand l'être humain, laissé à lui-même, fait ce qu'il pense être bon, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne résultat les pires récits les plus cruels et sanguinaires de toute la Bible. L'être humain, quand il pense faire ce qui est bon par lui-même, indépendamment de Dieu, ça donne le pire. Le, le, le grand thème qui revient dans le livre des juges, c'est qu'une société, un peuple qui rejette Dieu et qui fait à sa tête, et même quand il pense faire ce qui est bon, il n'y a rien de bon qui va sortir de là, même si c'est le pire de l'humanité. Plus tu t'éloignes et tu rejettes Dieu comme société, plus c'est le pire de l'humanité qui va ressortir. Ils faisaient ce qui leur semblait bon et ça donne le pire livre. Et si euh, tu cherches un livre intéressant à lire dans l'Ancien Testament, là, je te le suggère parce que c'est aussi un livre qui est vraiment écrit d'une manière tellement intéressante, on a l'impression de regarder une série télévisée que tu pourrais retrouver sur Netflix. Chaque épisode dans le livre des juges a toujours la même structure, c'est ce qui la rend intéressant et facile à lire. Toujours la même structure. Donc, chaque épisode tourne toujours autour d'un nouveau juge. Donc, tu as le peuple d'Israël qui décide de rejeter Dieu. Ils sont dans un air de prospérité, un air de confort, tout va bien, ils rejettent Dieu. Dieu respecte ce rejet, il retire donc sa protection et les peuples ennemis viennent attaquer Israël. Puisque maintenant Israël est dans une mauvaise position, ils reviennent à Dieu et demandent son aide pour chasser les ennemis. Dieu, dans sa grâce, donne au peuple d'Israël ce qu'il demande. Il demande quelqu'un pour, pour les aider, les délivrer de l'ennemi. Alors Dieu leur donne un justicier de guerre, un héros de guerre pour les délivrer de leurs ennemis. C'est ce qu'il demande. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire le mot juge. Un juge dans l'Ancien Testament, c'est n'est pas quelqu'un qui a une coiffe, un gros marteau. C'est en fait un justicier de guerre. C'est ça, un juge. Et ce justicier de guerre va chasser les ennemis. Et alors qu'Israël retrouve un temps de prospérité, il recommence le cycle et se détourne de Dieu encore et encore et encore et encore. Mais on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre des juges, ça empire à chaque fois. Et chaque nouveau juge introduit un nouvel épisode dans le livre. Et à travers le juge de justice de guerre que Dieu leur donne, Dieu envoie des leçons à Israël. Et une des leçons qu'on voit dès le début, qui devient de plus en plus claire jusqu'à devenir limpide avec Gédéon, c'est que le véritable ennemi d'Israël, le véritable ennemi du peuple de Dieu, ce n'est pas, pas l'ennemi extérieur, ce ne sont pas ceux qui viennent attaquer Israël. Le véritable ennemi d'Israël, il est intérieur. Tu es ton propre ennemi. Ton ennemi, c'est ton cœur contaminé par le péché qui est continuellement, naturellement, rebelle envers Dieu, qui ne veut, qui veut chercher son, son confort, son égo, ces choses qui lui plaisent à lui et qui se détourne encore et encore de Dieu et qui a toujours cette pensée que s'il choisissait ce qu'il désire, il aurait une meilleure vie, il serait plus heureux, alors que c'est Dieu, le créateur de la vie et de l'éternité, qui peut te donner la vraie joie, la vraie satisfaction. Et je te parlais du refrain tantôt qui revenait tout le temps. Le refrain, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon, Et il explique, il n'y avait point de roi en Israël. Et l'idée, c'est que l'être humain, lorsqu'il est livré à lui-même, lorsque c'est lui qui règne sur sa vie, indépendamment de Dieu, il n'y a rien de bon qui sort. Et le cœur de l'être humain, livré à lui-même, ne produit que le mal. Mais la clé, c'est que Dieu veut donner à Israël un roi qui va régner sur son cœur. Vous n'êtes pas capable de vivre livré à vous-même. C'est pourquoi Dieu veut être le roi qui vient régner sur notre cœur. Et dans l'Ancien Testament, il va donner le roi David sur Israël, qui va conduire le peuple d'Israël. Et nous savons aussi que dans l'Ancien Testament, David était une illustration de Jésus. Jésus veut être le roi qui vient conquérir ton cœur, il veut mettre son drapeau vaincu sur ton cœur pour ton bien, pour ton éternité, pour ta, ta satisfaction complète, pour ton ta véritable épanouissement éternel. Jésus veut régner sur ton cœur. Nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de régner sur nous-mêmes. Dieu veut te reconquérir en Jésus et régner sur ton cœur. Est-ce que je peux lire des gloires à Jésus sur les commentaires? Et c'est le contexte du livre des juges. Et entrons immédiatement avec qu'est-ce que Dieu, spécifiquement à travers notre égo brisé, à travers Gédéon, Dieu veut briser l'ego d'Israël. Et on va commencer à lire au chapitre 6. Je vais lire quelques passages clés du récit de Gédéon. Chapitre 6. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère mal, comme on a vu, de sorte que l'Éternel, il retire, les livra au pouvoir des Madianites pendant sept ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'emménagèrent des abris dans des grottes. Gédéon était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Retiens ça. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit L'Éternel est avec toi. Gédéon lui répondit De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abattra-t-il sur nous Alors l'Éternel se tournant vers lui Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon Démolis l'hôtel de Baal qui est à ton père et abats le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un hôtel bien aménagé à l'Éternel. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Première chose que Dieu nous dit à travers Gédéon, c'est que Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Il n'y a pas besoin de ta sainteté. Il n'y a pas besoin que tu démontes à quel point tu es une bonne personne pour qu'il puisse agir, te bénir ou t'utiliser dans ta vie. Parce que Gédéon est très loin d'être une bonne personne, d'être une personne sainte, d'être une personne parfaite. Vous savez, c'est pas toi, mais moi j'ai l'impression depuis que je suis né que je suis grandi dans un système qu'on pourrait appeler dans ce monde, dans la vie, partout, un système qu'on pourrait appeler une méritocratie. J'ai l'impression que tout ce qu'on gagne dans la vie, on doit le mériter. Quand tu es jeune, tu es un enfant, tu essaies de gagner l'amour, l'attention de tes parents. Tu veux plaire à tes parents, tu veux leur admiration. Quand tu es à la petite école, tu veux le plus de collants pour pouvoir gagner un petit prix puis que le professeur t'aime. Quand tu es en train de faire de hautes études, tu vas avoir une bonne cotère parce qu'après, tu vas avoir des bonnes, un bon travail. Ensuite, quand tu, marches le, tu rentres sur le marché du travail, tu veux gagner le respect et l'admiration de tes employeurs. Quand tu fais du sport, tu veux essayer de gagner le plus de points. Quand tu joues même à des jeux vidéo, hein? toujours un tableau de plus en plus dur avec un boss plus compliqué pour gagner le plus de points et arriver jusqu'au bout. Tout autour de nous est une méritocratie. Et parce que c'est notre réflexe naturel humain d'essayer de gagner toutes les bénédictions, le salut, le respect, l'attention, l'amour et l'admiration autour de nous, eh bien, on perçoit Dieu, la vie chrétienne, la vie spirituelle et la Bible de la même manière. Pourtant, la Bible n'est pas le livre dont tu es le héros qui doit essayer de gagner l'attention et l'amour et les bénédictions de Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu où tu dois gagner le plus de points ou le plus de collants. Dieu n'est pas le professeur ou le parent dont tu dois essayer de gagner le cœur. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas, pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas la vie chrétienne et la vie spirituelle. Tullian, qui est un grand, un, un grand théologien de l'histoire de l'Église, a dit il y a deux façons de lire la Bible. Il y a deux façons de lire ce livre-là. Soit tu le lis, lis d'une manière où la Bible t'enseigne que tu es le héros qui doit essayer d'atteindre Dieu, la vie éternelle et la bénédiction, ou plutôt la Bible enseigne que Dieu est le héros qui descend du ciel parce qu'on n'était pas capable d'y arriver et qui vient nous sauver. C'est ce que la Bible raconte d'un couvercle à l'autre et qui trouve son point culminant en Jésus qui est venu à nous, nous sauver. C'est pour ça que C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, grand théologien, et apologète, va dire Le Fils de Dieu est devenu un homme afin que les hommes puissent devenir fils de Dieu. Et Jésus va dire la même chose en Jean 3. Il va dire Aucun homme n'est jamais monté au ciel. Aucun homme. Aucun prophète n'a été assez spirituel pour monter jusqu'au ciel. Aucun, aucun prêtre n'a été aussi assez saint, assez séparé du péché et assez pur pour être capable de monter jusqu'au ciel. Aucun roi n'a été assez puissant pour s'introduire au ciel. Personne, aucun être humain n'a réussi par ses forces, par sa puissance. Même si tu consacrais toute ta vie à la sainteté, à la puissance, à la perfection, jamais tu serais capable d'atteindre Dieu, d'atteindre le ciel et de mériter quoi que ce soit de Dieu. Et c'est pourquoi il y en a un. Jésus va dire, aucun homme n'a jamais réussi à monter au ciel. Mais il y en a un qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour nous sauver, faire de nous ses enfants à cause de lui, à cause de ce qu'il a accompli. Et Gédéon, ici... Il est une humiliation pour les religieux. Il est une humiliation pour tous ceux qui pensent que par ta perfection et ta sainteté, tu es capable de mériter une bénédiction de Dieu. Regarde comment que Gédéon est, est imparfait. Premièrement, Gédéon, il nous est décrit comme une personne qui est inutile dans sa vie de tous les jours. Hein, je t'ai dit, il était en train de battre le blé dans le pressoir à vin. Parce qu'il se cachait des médianites. Juste pour info, battre le blé, c'est que tu écrases les graines de blé et ensuite tu les jettes en l'air pour que le vent puisse enlever toutes les écailles et qu'il n'y ait que les graines qui retombent. Donc, si tu comprends bien, il est impossible de battre le blé sans être à l'extérieur, sans le vent qui vient filtrer les écailles. Et lui, parce qu'il a peur des madianites, il le fait à l'intérieur. Son travail ne sert absolument à rien parce qu'il le fait à l'intérieur, sans vent. C'est une routine de vie qui n'a pas de sens et qui est inutile. La vie à l'extérieur du but de Dieu, à l'extérieur de vivre pour la gloire de Dieu, n'a aucun sens. Naître pour métro, boulot, dodo, finir, mourir, n'a aucun sens. Aucun sens si Dieu n'est pas là au centre de ta vie pour redonner un sens. C'est moi te dire, tous les éléments de ta vie, les grands événements de ta vie, comme les, les événements les plus insignifiants de ton quotidien, n'ont aucun sens et sont absurdes si Dieu n'est pas là pour leur donner un sens, Ils sont pas faits à la gloire de Dieu. Mais l'inverse est tout aussi vrai. L'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que tous les événements de ta vie, les grands, mais même tous les éléments les plus insignifiants de ton quotidien tout a du sens et retrouve du sens quand c'est fait avec Dieu pour sa gloire selon son plan. Tout a du sens en Dieu, mais rien n'a de sens sans Dieu. Ici, Gédéon est un être inutile. On voit aussi qu'il y a une attitude ironique, il y a une mauvaise attitude. Le Dieu se présente à lui et il est cynique et ironique envers Dieu. Puis peut-être que tu dis, oui, mais il n'était peut-être pas conscient que c'était l'ange représentant de Dieu, mais il, il savait que c'était probablement un représentant de Dieu, peut-être un prophète, peut-être un prêtre, un lévite. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui lui parlait comme représentant de Dieu avec l'autorité de Dieu. Et pourtant, il se permet, permet d'être ironique et cynique. C'est comme si ici, si, on a quelqu'un qui est naturellement hostile envers les représentants de Dieu. Mauvaise attitude, mauvaise attitude. On voit aussi qu'il est pécheur. Il va mentir. Si tu lis un peu plus le récit, tu vas voir qu'il va essayer de se désister de l'appel de Dieu. Déjà, encore une fois, un autre, un autre point contre lui. Il essaye de se désister. Il va dire, je suis le plus petit de ma famille, qui est la plus petite de ma tribu, qui est la plus petite d'Israël. C'est des mensonges. C'est faux. Il se désiste en mentant. Il est pécheur et menteur et il essaye de se désister. On voit qu'il est peureux. Dieu va lui demander d'aller détruire l'idole de, de son village et de sa famille. Et il va le faire de nuit. Hein? Il n'y a pas le caractère fort du leader, de ce qu'on s'attendrait d'un leader justicier de guerre. Et on voit qu'il est idolâtre. Sa famille et son village vouent un culte à Baal. Hein? Ici, c'est intéressant parce que quand on lit ça, lecteur moderne, on peut se sentir que ça ne vient pas trop nous rejoindre. Alors que le culte d'une idole comme Baal n'a jamais été autant pratiqué qu'à une époque comme aujourd'hui en Amérique du Nord. Qui est Baal Baal, comme beaucoup d'autres représentants qui lui ressemblent dans l'histoire, c'est la divinité qui... Te donne, c'est la, la divinité ici qui te donne l'argent, qui te donne le pouvoir, qui te donne la prospérité, qui te donne le succès. C'est le Dieu qu'on va voir parce qu'on veut des bonnes récoltes, on veut beaucoup d'enfants, parce qu'à l'époque, je te rappelle que les enfants, c'est les réères. Plus tu as d'enfants, plus tu as une retraite assurée, en plus d'avoir des serviteurs pour tes champs. C'est l'idole qui te donne ce que tu veux, l'abondance de vin, qui te donne l'abondance de femmes, qui te donne l'abondance de champs, qui te donne l'abondance d'enfants. C'est le Dieu que tu sers pour être riche confortable et prospère. Ézéchiel 14.3 va dire, les idoles, le vrai problème, c'est n'est pas les statuettes, les idoles, c'est que vous les portez dans votre cœur. Et l'Amérique du Nord, capitaliste, consumériste, individualiste, a les mêmes idoles aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, ce que les gens courent, c'est d'avoir la vie la plus confortable, d'avoir la vie la plus prospère. Et de la même manière que on, on adorait ces idoles-là pour avoir un contrôle, qu'on soit confortable et prospère, aujourd'hui, on calcule tout pour essayer d'avoir le plus de contrôle pour que nos villes soient les plus confortables, les plus prospères et tournées vers le plaisir. Comment on, adorait, ben, comment on adorait ces idoles-là On adorait ces idoles-là en se laissant encore plus aller au penchant de notre cœur par des buveries, par des, on faisait des buveries, on faisait des orgies, on offrait même les enfants en sacrifice. Hein. Je vais gérer la naissance de mes enfants en fonction de pouvoir m'octroyer le plus de confort et de richesse et de prospérité possible. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. On peut disposer des enfants comme on le désire, on calcule la famille, on calcule les gens en fonction de donner le plus de richesse possible. Et puisque le but de la vie c'est d'avoir le plus de confort et de prospérité, on calcule tout, même les êtres humains. Même ce qu'on considère comme étant handicapés, jeune bébé, malade, des fois même on va les tasser dans notre société parce que tout ce que l'on veut c'est le confort et la richesse. Et si tu n'es pas capable d'atteindre ce but de notre société moderne qui est la même que les buts de ces gens-là avec Baal, eh bien, ce que ça produit, c'est que tu as l'impression d'avoir passé à côté de ta vie. Pourquoi autant de burn-out, autant de dépression? Pourquoi on parle autant de succès d'assister Parce que dans la vision du monde à laquelle on est, si tu n'es pas capable d'atteindre le plaisir, le plus de plaisir, de prospérité de confort possible, eh bien, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est pourquoi on vit dans un monde qui dispose aussi facilement des enfants qui calcule et contrôle la famille. On vit dans une société où on dévalorise la personne âgée, la personne handicapée ou le bébé. Et on voit que Gédéon participe à ça. Gédéon n'est pas une personne parfaite. Il a tous ses défauts-là. Et alors que Dieu le choisit pour être le leader de guerre de son... L'assemblée, il est en train de nous montrer à quel point Dieu agit à travers des personnes imparfaites dont nous avons tous des points communs avec Gédéon. Et le christianisme, ce n'est pas, pas une croyance qui t'enseigne que tu dois gagner l'attention de Dieu par ta perfection. Sinon, ça rend ta, ta vie chrétienne fragile. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je, je suis saint, ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que je produis les bonnes actions que je vais devenir un enfant de Dieu. C'est complètement l'inverse. C'est parce que tu es un enfant de Dieu que ça va avoir un impact sur tes actions. Sinon, si j'agis dans ma vie, je prie, je lis ma Bible, je donne, je sers, je me donne à Dieu dans le but de gagner quelque chose, dans le but d'accomplir une performance pour gagner des points, ça rend toute ta vie chrétienne fragile. Si mon salut, ou la bénédiction de ma vie, dépend de ma capacité à faire des bonnes actions, être une bonne personne, eh bien la bénédiction de Dieu, et le salut, est fragile. Jamais je ne serai capable. Je suis tellement un être fragile et imparfait. Je ne pourrai jamais gagner la bénédiction le salut de Dieu. Ça rend, ça rend la bénédiction de Dieu ou le salut sur ma vie fragile. Il ne peut pas dépendre de moi. Il doit dépendre de l'œuvre parfaite de Jésus. Si, si Dieu dépend de nous pour accomplir sa mission, ça rend la mission de Dieu fragile. Si le souper dépendait de ma petite fille Jeanne, on ne mangerait pas grand-chose. La mission de Dieu ne dépend pas de tes forces ou de ta perfection, elle dépend de Dieu qui nous permet de travailler à ses côtés. Ça rendrait la mission fragile. Si je sers Dieu dans le but d'être sauvé ou d'être béni de lui, ça rend mon obéissance fragile. Qu'est-ce qui arrive quand que tu penses que Dieu peut, te, tu peux mériter quelque chose de la part de Dieu? Ça rend ton obéissance fragile. Parce que tu dis, je lis la Bible, je prie tous les jours, et pourtant, des fois, je, je traverse des périodes où ma santé mentale et émotionnelle, elle est fragile. Pourtant, je lis la Bible puis je prie. Ça pourrait, tu pourrais être tenté d'abandonner la parole de Dieu, d'abandonner la prière, parce que tu penses que Dieu te, te doit une santé mentale et émotionnelle parfaite. Il y en a peut-être que tu dis, mais moi, moi, je donne, Dieu, je donne, je donne, je donne. Et je viens de vivre une crise financière. Dieu, tu me dois la prospérité financière, donc j'arrête de donner. Il y en a que tu sers, tu donnes à l'Église, tu fais un burn-out, tu en veux à Dieu, tu arrêtes de servir. Il y en a tu dis Mais moi, moi je, je passe ma vie à faire des efforts pour ne pas pécher et je tombe malade ou je vis, comme on dit au Québec, des bad luck dans ma vie. J'arrête de faire ces efforts-là parce que je devrais normalement être protégé de Dieu. Si tu penses que Dieu, tu peux gagner un mérite ou une bénédiction, ça rend ton obéissance fragile. Mais la vérité biblique, c'est que je ne sers pas Dieu, je n'obéis pas à Dieu, je ne cherche pas à être saint parce que j'essaie de gagner quelque chose. Je ne fais, fais pas toutes ces choses-là pour une bénédiction. Mais parce que j'ai déjà tout reçu pleinement, toute bénédiction spirituelle en Jésus. Les promesses de l'Évangile sont tellement fortes et puissantes. Sais-tu que même si Dieu ne faisait aucune bénédiction dans le reste de ta vie, absolument rien, si les promesses de la Bible sont véritables, que tu es réellement co-héritier de la gloire éternelle du Fils de Dieu à venir. Si cette promesse-là est véritable et que tu es en Jésus, il est digne de ton obéissance pour le reste de ta vie, même s'il faisait aucune bénédiction jusqu'à ta mort, même si tu tombais malade, que tu étais pauvre, que tu étais renié de tout le monde. Si ces promesses sont véritables, il est digne de notre obéissance. Mais merci Seigneur, Dieu est gracieux, il nous donne plein de bénédictions. Mais que ton salut, ta bénédiction ne soit pas fragile, que ton obéissance ne soit pas fragile et aussi sa mission n'est pas fragile, c'est en fonction de Jésus-Christ seulement, de sa perfection à lui uniquement que nous sommes bénis. Nous agissons ici parce que nous sommes ses enfants. Mon obéissance envers Jésus est une reconnaissance qu'il fait de moi un enfant. Et quand j'obéis, quand je cherche à obéir à la parole de Dieu, à être saint pour Dieu, je ne le fais pas avec la pression de devoir performer et gagner quelque chose. Je le fais uniquement par reconnaissance. Je n'ai pas la pression de la performance. Je le fais par joie et par reconnaissance. Et plus que ça, je le fais aussi avec la certitude qu'il y a toujours le filet de la grâce pour me prendre si jamais je chute et je tombe. Jésus a pardonné tous tes péchés passés, présents et futurs. Le crois-tu? Si tu es réellement en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que si tu es réellement en Jésus, il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. Il t'aime parfaitement comme son fils en Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui rend solide toute notre vie. Vous savez, ma petite fille, j'ai remarqué que quand elle est en confiance, elle est totalement capable de descendre des marches, des escaliers, des grandes marches. Mais elle est insécure. Donc, elle ne le fait pas. Mais si on lui donne la main, elle est capable de descendre tous les escaliers sans aucun problème. Elle le fait juste si on lui donne la main. Parce que quand j'y donne la main elle n'a pas la pression de devoir réussir de performer la marche et elle sait qu'elle a toujours le filet de sécurité que je la tiens elle pourra pas débouler les marches elle pourra pas se faire mal peut-être qu'elle va un peu chuter mais je vais la retenir elle n'a pas la, la pression de la performance et elle n'a pas non plus la peur de débouler parce que c'est qu'il y a un filet de grâce qui la retient et ça c'est son privilège d'être mon enfant. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui ont le privilège que en Jésus-Christ le Père te tient la main que tu ne pourras jamais chuter, il est là avec toi si tu le crois. Est-ce que je peux lire des gloires à Dieu dans les commentaires On poursuit la lecture. Gédéon lui dit "Eh bien si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles." Deuxième chose qu'on voit avec Gédéon, c'est Dieu n'a pas besoin de ta foi. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour agir dans ta vie, pour te bénir, pour déclencher quoi que ce soit. Dieu n'a même pas besoin. Vous savez, ce qui va prendre place ici dans le récit de Gédéon, c'est que là, Gédéon va demander un signe à Dieu. Et il va demander un signe en déposant une toison sur l'herbe avec la rosée du matin. Il va demander à ce que la... il n'y ait pas de rosée, que le gazon soit sec, mais que la toison, elle devienne humide. Et là, Dieu va réaliser ce miracle incroyable. Ou tout va être sec, mais juste la, 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 la toison mouillée. Mais même malgré ça, Gédéon ne va, va pas croire en Dieu. Alors Gédéon va demander un signe supplémentaire, il va demander l'inverse. Et Dieu va produire exactement ce signe inverse. Et il va continuer de douter. Et c'est incroyable parce que cet événement-là est tellement connu dans la Bible qu'il a même donné une expression évangélique qu'on utilise. Si tu es chrétien depuis un certain temps, tu as peut-être déjà entendu ça, cette expression-là évangélique, met une toison devant Dieu. Comme Gédéon. Autrement dit, demande un signe à Dieu. Je veux juste te dire que lorsque tu lis attentivement le récit, ce n'est pas quelque chose de positif que Gédéon fait qui est à être encouragé et que Dieu trouve plaisant. Gédéon est en train d'humilier Dieu en faisant ça. Vous savez, dans la Bible, et Jésus va le dire en Jean, quand on va venir chercher Jésus pour un signe, Jésus va le mentionner à plusieurs reprises. Le miracle ne donne pas la foi. Les gens qui croient, croient. Le miracle ne donne pas la foi, c'est l'inverse. Le miracle expose la non-foi des gens. Parce qu'alors que Dieu se manifeste clairement, il démontre que les gens, c'est pas un problème de croyance, c'est un problème de cœur, c'est un problème qu'ils sont rebelles envers Dieu, ne veulent pas suivre Dieu même si Dieu se manifeste devant eux. Dieu s'est déjà manifesté miraculeusement à travers l'autorité de son ange devant Gédéon et Gédéon n'a pas cru. Dieu a dans sa grâce accepté le miracle grandiose que Gédéon a demandé, puis Gédéon n'a pas cru. Gédéon est allé encore plus loin en demandant un miracle inverse. Dieu l'a donné, et il continue de ne pas croire encore et encore et encore. Situe à quel moment la Bible nous dit pour la première fois que Gédéon commence à peut-être envisager de croire que ce que Dieu a dit est vrai. C'est qu'à un moment donné, il va entendre l'interprétation mystique et ésotérique du rêve d'un soldat de l'armée adverse qui a rêvé que peut-être qu'ils allaient perdre la victoire. Le moment où Gédéon commence à envisager de croire en Dieu, c'est à travers l'interprétation ésotérique des, du rêve des ennemis, des cananéens, des païens, et du peuple ennemi de Dieu. Gédéon croit plus la sorcellerie païenne cananéenne que Dieu lui-même en personne et à travers des miracles et des miracles de grâce dans sa vie. Gédéon ne croit pas en Dieu malgré la répétition des miracles. Il croit plus à la manière de faire païenne que en Dieu. Ici, à travers Gédéon, Dieu est en train d'humilier la pensée de ce qu'on appelle affectueusement dans les Églises les SS. As-tu déjà entendu parler des SS, ce qu'on appelle les super spirituels? Les spirituel, spirituels, c'est ceux qui mettent beaucoup leur confiance dans leur grande spiritualité, dans leur grande prière belle, forte, impressionnante, éloquente, qui est remplie de formulations bibliques. Plus que ça, ceux qui, ceux qui vraiment mettent la, la force de leur prière dans de, de le, de leur spiritualité, ils attribuent à la force de leur spiritualité cette capacité de déclencher la bénédiction de Dieu, de déclencher l'œuvre de Dieu. Et la réalité, c'est que... Ce n'est pas ta capacité et ta force spirituelle qui déclenche Dieu, qui pousse Dieu à agir. En fait, le, 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 le problème, bien souvent, de cette mentalité de super spirituel, c'est cette pensée que. La, la foi qui, il y a une foi qui est capable de déclencher Dieu, une foi qui est capable de pousser Dieu à agir. Cette foi, c'est comme une sorte d'exercice mental, ésotérique et mystique. C'est comme, c'est le pouvoir de la concentration. Je concentre ma foi, je concentre mon intention spirituelle. Et plus je vais être concentré fort spirituellement, à ma foi, je vais pousser Dieu à agir, je vais déclencher quelque chose, je vais ouvrir quelque chose, je vais activer. Quelque chose. C'est la pensée que je dois aussi, hein, ces gens-là, des fois, on le reconnaît, je dois être dans un déni de, de mes doutes ou de mes questions. Je dois être, un, des fois, un déni même de l'arrêter. Ça ne va pas bien, mais je déclare que tout va bien et je reste. Plus je vais être dans le déni de ce qui ne fonctionne pas, plus je vais être dans le déni de mes questions ou de mes doutes. Et plus je vais être concentré spirituellement sur ce que je veux, je vais atteindre et pousser Dieu à agir. En fait, c'est simplement. La pensée magique, la pensée qui. C'est simplement, en fait, la, mat, la pensée de la, matérialis, la matérialisation, désolé, de la pensée. Tout ce que je viens de décrire, là, la matérialisation de la pensée, la concentration mystique, tout ça, c'est une vision du monde, c'est une paire de lunettes païennes. C'est ce que les païens faisaient, c'est encore les visions du monde païennes aujourd'hui. Et ce n'est pas de cette manière-là que Dieu décrit la foi dans la parole. Ce n'est pas de cette manière-là. Gédéon voit Dieu, perçoit Dieu, et sa vision de Dieu est beaucoup plus proche des païens qu'il doit chasser que de ce que Dieu désire. Et trop mal, malheureusement, des fois, nous avons une vision spirituelle de Dieu païenne dans l'Église, enseignée dans l'Église. Alors que c'est n'est pas ça la vraie foi. Et c'est pour ça que les miracles révèlent plutôt que le cœur est rebelle. Parce que la vraie foi, ce n'est pas de croire en Dieu. Quelqu'un ici, peut-être que tu m'écoutes, que tu es dans l'Église, tu viens à l'Église parce que tu sais que Dieu existe. Mais la réalité, c'est que tu n'aimes pas Dieu et tu es réfractaire à Dieu, puis tu es hostile et dur envers Dieu. La foi, ce n'est pas de croire envers Dieu. C'est de soumettre son cœur à Dieu pour qu'il le transforme et d'apprendre et, et être, de, de vivre cette malnaissance qui nous amène à aimer Dieu, à désirer Dieu, à savoir que notre cœur est rebelle, mais chercher l'aide de Dieu. C'est pour ça que Jacques va dire que les démons croient en Dieu et ils tremblent à cause du jugement à venir. Les démons n'ont pas un problème de foi. Ils ont un problème de rébellion. Ici, la foi, ce n'est pas, comme j'ai dit, d'avoir la plus belle foi, la plus grande foi, la foi la plus forte. C'est d'avoir la bonne foi qui sauve en Jésus. La, la, la foi ne, se, ne, ne la, la vraie foi qui sauve. Ce n'est pas, ne, 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 on n'évalue pas une foi selon la qualité, la force ou la grandeur, mais plutôt. En qui est ta foi? La véritable foi, c'est la confiance qu'en Jésus, je suis, je suis pardonné mes péchés et sauvé du jugement à venir. La foi qui sauve, c'est la foi qui voit Jésus. C'est celle qui est en Jésus, c'est celle qui voit Jésus comme l'arche qui vient te protéger du jugement. L'arche parfaite dans laquelle tu mets ta confiance qu'elle va te sauver. D'ailleurs, on, on vient de sortir d'une série de Pierre, et Pierre va utiliser Jésus, justement, l'image de l'arche de Noé dans l'Ancien Testament comme une image du salut en Jésus. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu es sauvé. Pas parce que tu es une bonne personne. On, on a vu que Noé et sa famille étaient imparfaits. Mais tu n'es pas sauvé parce que tu es une bonne personne, mais parce que tu es dans la bonne arche qui va te sauver du jugement à venir. Celui qui met sa foi en Jésus. Même si ta foi, elle est toute petite. Même si ta foi, elle est fragile. Tu es dans l'arche. Puis peut-être même que tu vas vivre des moments de crainte, il y a des flots qui se déchaînent, il va y avoir des turbulences, le bateau va bouger, on entend même des fois les cris de la destruction à l'extérieur, mais si tu es dans l'arche de Jésus, tu es dans la bonne arche qui va t'amener à la destination de la vie éternelle et de la nouvelle création parfaite. C'est la foi en Jésus. La, ce qui va faire toute la différence dans ta foi, ce n'est pas la grandeur, la qualité de ta foi, mais c'est en qui est ta foi. Est-ce qu'elle est dans le bon Jésus qui sauve? C'est ça qui fait la différence. Et vous savez, la, la qualité de la foi fait une différence. Elle ne fait pas une différence sur le fait de déclencher Dieu. Elle ne déclenche pas Dieu. Ce n'est pas ça la qualité de la foi. La qualité de la foi fait une différence sur la qualité de la vie chrétienne durant le trajet. Je m'explique. Vous savez, moi, de, 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 quand j'étais jeune, j'aimais vraiment les manèges à la ronde. J'allais beaucoup dans les foires à la ronde, les manèges. J'aimais les sensations fortes. Puis on dirait que plus que je vieillis, plus on dirait que je suis comme rendu de plus en plus conscient du danger. Puis quand je vais dans un manège, je me dis tout le temps maintenant, quand je suis vieux, je ne vis plus un bon moment, je suis inquiet, puis je me dis, coudon, hein, ça pourrait lâcher, ça pourrait être aujourd'hui que ça lâche. Puis je me répète toujours dans ma tête, ça serait donc niaiseux de mourir de cette façon-là, mais ça, je me sentirais pas champion devant Dieu de dire que j'ai gaspillé un restant de vie à le servir euh, d'une manière aussi niaiseuse que d'aller euh, mettre ma vie en danger pour de l'argent en plus à la ronde. Mais j'ai une petite sœur et j'ai cette tradition à, à toutes les automnes de l'amener une fois à la ronde. Et à chaque fois qu'on embarque dans le Goliath, qui est le manège l'une des montagnes russes les plus grandes, euh, les plus grosses au Canada, chaque fois qu'on embarque de plus en plus, moi, je suis terrorisé. Et dans toutes les courbes et les montagnes, je suis terrorisé. J'ai le cœur qui bat fort, mais juste assis à côté de moi, il y a ma petite sœur qui, elle, elle a du plaisir. Elle rit, elle s'amuse. Le même, le même manège qui prend les mêmes tournants qui font peur. Les, les hauts et les bas qui font peur. Mais il y a quelqu'un qui est complètement terrorisé. Puis il y en a une autre qui a du plaisir. Elle a les mêmes turbulations que moi. Mais elle, elle est confiante. Le manège va l'amener à la bonne destination. La qualité de ta foi va faire une différence à travers les moments de, de souffrance, d'épreuve et de tribulation à travers lesquels tu vas passer. Si ta foi est en Jésus, peut-être que tu vas être perturbé. Peut-être qu'avec les turbulations et les flots, comme j'ai dit dans l'Arche de Noé, peut-être que tu vas vivre des moments que tu vas être perturbé, mais tu es dans le bon bateau qui va t'amener à la bonne destination. Mais celui qui a une foi qui se fortifie en qualité et en force à travers sa vie, c'est celui qui... Mais tellement sa confiance, il, il, il a tellement nourri sa confiance qu'il est dans le bon bateau, qu'il a, a mis tous ses œufs, comme on dit, dans le bon panier, celui de Jésus, qui a mis toute sa confiance en Jésus. Plus sa foi grandit dans la sécurité que nous avons en Jésus, il va vivre les mêmes turbulences, les mêmes hauts, les mêmes bas, les mêmes flots qui se déchaînent, mais il va avoir la confiance, les ressources et la résilience pour passer mieux au travers avec une meilleure qualité. C'est pourquoi il, il y a de véritables chrétiens qui ont une vie triste, inquiétante, des fois triste et pathétique. Et il y a des chrétiens qui vivent les mêmes épreuves, mais qui les traversent avec force. Ça, c'est la qualité de la foi. Mais si les deux sont en Jésus-Christ et se rendent à la bonne destination, ce que je peux entendre des gloires à Jésus. On arrive vers la fin. L'Éternel dit à Gédéon, Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Ici, ce que Dieu fait, c'est que Dieu... Euh, il sait qu'ils vont aller combattre les Madianites, qui sont des milliers de milliers. Et Dieu dit à Israël Ton armée est trop grande. Je ne voudrais pas que si vous gagnez, vous pensez justement que c'est à cause de votre grande force. Fait que tu vas faire partir tout le monde il va juste rester 300 soldats. Parce que si vous gagnez à 300 contre des milliers, c'est sûr que vous allez donner toute la gloire à l'Éternel vous allez apprendre à dépendre de l'Éternel. Alors, Dieu les met dans l'eau chaude Dieu leur enlève toute sécurité. Même ils vivent une situation qui pourrait être considérée comme éprouvante, inquiétante. Ils sont obligés de reposer sur Dieu. Puis si tu lis l'histoire, en fait, ils vont entourer l'armée des Madianites. Donc, ils vont être très distancés les uns des autres, en 300 pour entourer un camp de milliers. Il y a plus de distance que les 2 mètres de la pandémie, on dire, entre eux autres. Et ils ont des cruches et des bâtons. Et au même moment, ils doivent tous casser les cruches et hurler. Dieu met un esprit de confusion et c'est les Madianites qui s'entretuent ensemble. Dieu le délivre miraculeusement les madianites. Ici Dieu est en train d'humilier celui qui se croit fort, indépendant, autonome, celui qui pense qu'il s'est fait lui-même et qui mérite tout ce qu'il a. Ici, le point c'est que Dieu n'a pas besoin de ta force. Dieu n'a pas besoin de ta force et Dieu veut expressément il dit qu'il veut humilier la force d'Israël en le mettant dans une situation périlleuse. Et des gens peut-être tu dis moi dans ma vie là, ce que j'ai c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui ai travaillé fort, c'est moi qui ai investi dans ma vie de manière astucieuse. Ce que j'ai, c'est moi qui l'ai bâti et c'est à moi. Mais ce que Dieu te répond, c'est, qu'as-tu que tu n'as point reçu? La santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a permis dans ta vie et il peut la reprendre n'importe quand. Tes capacités intellectuelles, c'est Dieu qui les a données et encore une fois, il peut les reprendre. Le contexte de vie dans lequel tu es né au départ aussi, tu n'as pas eu de contrôle là-dessus. Hein, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il y a des gens qui naissent avec des fois une, deux, trois, quatre strikes de moins que toi. Es es, le contexte n'a pas de contrôle là-dessus. Et même peut-être, dans certains choix, certains moments dans ta vie, il y a une faveur particulière que tu n'es même pas conscient qu'il y a eu sur ta vie que Dieu peut reprendre à tout moment. La Bible déclare, « Tout ce qui est bon dans ce monde vient de Dieu. » Et si Dieu se plaît à mettre Israël dans une situation d'épreuve inquiétante pour qu'il qu apprenne à dépendre seulement et uniquement de Dieu, c'est un peu celui qui pense que c'est fait dans la vie, il ne réalise pas des fois qu'il est juste, il pense, c'est comme un bébé que tu mets sur l'eau qui pense qu'il est en train de nager, il pense qu'il est fort, il pense qu'il est en contrôle, mais si papa retire sa main, le bébé fait juste caler dans l'eau. Et si Dieu fait juste descendre un peu la main, juste qu'Israël ait un, juste un petit peu d'eau au-dessus de la tête pour qu'il réalise que c'est Dieu qui le tient, c'est Dieu qui contrôle toute chose et qui va régler la situation. Vous savez, dernièrement, euh, j'ai dû construire un changement de réglementation dans, dans ma ville et je dois construire chez moi une clôture autour de la piscine donc il y a une clôture autour de la maison mais il doit y avoir une clôture à l'intérieur de la clôture autour de la piscine moi je me dis que maintenant euh, ça serait peut-être plus efficace de juste faire des clôtures autour des enfants comme ça on serait mieux protégé de tout mais black à part je comprends la, le besoin de la sécurité euh, on, on veut Toujours mieux sécuriser nos enfants. Mais je réalisais dernièrement que c'était tellement plus simple, on dirait, à l'époque de mes parents. Hein? Il n'y avait pas de clôture, il y avait des piscines et tout ça. Puis moi, je me souviens justement qu'être très, très, très jeune, là, très... je marche à peine, je suis passionné par, par l'eau, puis je veux toujours aller dans l'eau. Puis j'essaye de me fouler entre la petite clôture, de... une petite barrière de rien. Euh, ma mère, elle me dit non, il faut que tu ailles dans l'eau uniquement quand les adultes sont là, quand la barrière est ouverte, quand tu as tes flotteurs. Puis moi, je ne voulais rien entendre. Je faisais tout pour essayer de me faufiler dans l'eau sans adultes, sans Flotteur, je voulais me baigner puis je voulais avoir le contrôle là-dessus. Et vous savez ce que ma mère a fait? Mais avant de vous le dire, je veux juste vous avertir, là, appelez pas la DPJ, là, ça a eu lieu il y a 30 ans. Je ne pense pas qu'on peut faire un cas de quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans. Là. Puis ma mère, c'est une bonne mère quand même. Là. Mais ce que ma mère, elle a fait à un moment donné puis elle était là pour contrôler, je vous assure, elle m'a laissé faire à un moment donné. J'ai tellement persisté et persévéré à vouloir agir comme un insensé que ma mère m'a laissé une demi-seconde agir comme un insensé. Tu veux aller dans la piscine? Sans écouter les conseils, elle m'a laissé me faufiler, courir sans flotteur, sauter dans la piscine et avaler une grosse tasse d'eau. Elle m'a ressorti pour me dire la prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour te ressortir de l'eau. Je peux vous dire que pas besoin de construire une clôture, j'ai eu une, 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 une sainte crainte de la piscine pour le reste de ma vie. C'est sûr qu'avant de construire la clôture chez nous, j'ai demandé à ma femme si on pouvait faire la même chose avec nos enfants, puis elle a refusé. On aurait pu sauver un peu d'argent puis d'efforts. Mais bon, l'idée, c'est que de me laisser plonger un peu dans l'eau m'a obligé à réaliser que je dépendais de sa main. Des fois, Dieu permet dans nos, dans nos vies des épreuves pour nous faire réaliser qu'on dépend de sa main pour passer au travers. Vous savez, je rappelle, hein, les épreuves dans nos vies, les moments de souffrance ne détruit jamais la véritable foi. Si tu as réellement une vraie foi authentique, la foi en Jésus qui sauve, les épreuves ne vont pas la détruire. Les épreuves peuvent la fortifier parce qu'elles nous obligent à, à réfléchir sur notre foi, à nous attacher davantage à Dieu, permettent des fois d'épurer, d'enlever les fausses croyances pour qu'on se focalise sur la vraie le vrai, la vraie foi qui sauve. Elle épure notre foi, elle fortifie notre foi. Les épreuves révèlent ceux qui ont réellement la foi en Jésus, donc elle fortifient approfondit Et peu révèle, mais ne détruit pas. Et parfois, Dieu nous enlève nos fausses sécurités pour qu'on dépende de Lui. Et parfois, une épreuve de Dieu, on ne la réalise pas sur le coup, mais Dieu l'a permis. C'était une question de vie et de mort. Je rajouterais même de vie et de mort éternelle pour nous d'apprendre une fois pour toutes que nous avons besoin de dépendre de Lui. Est-ce que je peux lire des gloires à Dieu? Et dernier point avant de se laisser aujourd'hui. « Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'est prostitué en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Gédéon eut soixante-dix fils, car il avait de nombreuses femmes. » Dieu n'a pas besoin de toi, mais laisse-moi te dire que toi, tu as besoin de Dieu. Et ce qui est triste, c'est que Gédéon n'a pas... Jamais compris profondément intérieurement comment il avait besoin de Dieu. Et Gédéon a très mal fini l'histoire de sa vie. En fait, Gédéon, euh, et c'est là, comme je dis, c'est l'avant-troisième dernier juge, c'est là qu'on voit que les choses vont mal tourner et, et empirer dans le reste du livre des juges. Ça commence avec Gédéon et on le voit déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors que les, 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 euh, tous les, les épisodes dans le livre des juges, c'est qu'Israël rejette Dieu. Ensuite, Dieu suscite un héros pour les libérer contre ses ennemis. Et là, il y a un temps où Israël redevient prospère. Et ensuite, il y a un certain temps où ça va bien avant qu'Israël rejette Dieu encore une fois et qu'on recommence le cycle. Mais ici, ce qui est surprenant avec Gédéon, c'est que Gédéon, dans le livre des juges, c'est le premier juge que c'est lui qui va lui-même ramener Israël dans l'idolâtrie loin de Dieu. Alors que la job de Gédéon, c'était de libérer Israël de son idolâtrie pour ramener Israël à Dieu. Gédéon, c'est celui qui va libérer Israël des Madianites, mais c'est lui qui va amener Israël à replonger dans l'idolâtrie, dans le péché. Et regarde, Regarde ici l'élément que, que je disais qui devenait de plus en plus limpide avec Gédéon. Pourquoi Gédéon ramène Israël dans l'idolâtrie? Parce que le véritable ennemi, ce n'était pas les Madianites, ce n'était pas l'ennemi extérieur. Le véritable ennemi, il était intérieur. C'était le cœur de Gédéon. Ses hein? 70 fils. Alors moi, j'ai juste une fille, puis j'ai déjà étourdi. Lui. 70 fils. Je te rappelle qu'à l'époque, plus que tu as d'enfants, c'est tes vieux jours, c'est ta richesse, c'est ton confort, c'est tes réels. Gédéon essaie d'être riche. 70 fils et de nombreuses épouses. Ce que le texte nous montre, c'est que peut-être que Gédéon a détruit l'autel extérieur de Baal, mais dans son cœur, il était encore attaché à cette idole et cette idole s'est emparée de lui jusqu'à la fin de sa vie, emmenant avec lui Israël dans ce péché. C'est un rappel qu'on peut avoir dans notre vie. L'apparence du croyant. Peut-être que tu vas à l'Église, tu es baptisé, tu es membre de l'Église, peut-être que tu sers à l'Église, même peut-être que tu pries. Mais il y a juste toi qui sais si tu veilles sur ton cœur. Dans la Bible, c'est quoi le cœur, je le rappelle Dans la Bible, il y a ton être extérieur qui est ton corps qui interagit avec le monde extérieur et il y a ce qu'on appelle dans la Bible ton être intérieur, ta vie intérieure, tes pensées, ton, ton cœur, tes émotions, ta personne. Et. Le cœur dans la Bible, c'est le siège, c'est le centre de ton être intérieur. C'est pas les émotions dans la Bible. Le cœur, c'est c'est le centre de ce que tu désires, de ce que tu veux. C'est le concentré de toi. C'est le trône de ta vie. Et c'est pourquoi que notre, et pourquoi la Bible dit le cœur il est brisé, il est contaminé par le péché, il est dysfonctionnel, il cherche toujours ce qui plaît à lui-même, à son ego. Et c'est pourquoi Jean Calvin va dire le cœur de l'être humain en fait est une, est une usine à idoles toujours en train de produire des choses dans lesquelles il s'attache et s'amourache, et dirige sa vie c'est pourquoi Jésus veut venir conquérir le trône de ton être intérieur le siège de ton désir de ta volonté il veut le conquérir il veut s'asseoir dessus mais un peu comme un jardin qu'on doit faire le ménage même celui qui, qui abandonne son cœur en Jésus et qui laisse Jésus s'asseoir sur le trône de son cœur il y a la mauvaise herbe qui revient on doit Apprendre à notre vie cette discipline, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la sanctification, cette discipline de régulièrement cultiver notre cœur, arracher les mauvaises herbes et offrir pleinement le trône de notre cœur à Christ. On doit développer cette discipline-là parce que ce qu'on voit avec Gédéon, c'est les, les idoles qui n'ont pas été déracinées, les idoles qui n'ont pas été réglées dans le passé, vont toujours finir par refaire surface plus tard dans sa vie. J'ai un exemple qui me faisait énormément penser à ça. Édouard Welch qui est très connu dans le monde, euh, euh, en Amérique, comme, comme quelqu'un qui fait du « counseling » biblique. Et lui, et il a commencé ses études quand il était plus jeune. Lui, il a étudié en psychiatrie, en neurologie, il est spécialisé avec les Alzheimer. Et dans un livre qu'il a écrit, euh, il, il expliquait une, un, 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 un événement qui est apparu, qui est arrivé dans une église, qui, qui a été un, un cas au niveau psychiatrique et neurologique, où il y avait un homme d'église qui était très reconnu comme étant un homme pur, un homme sain, un homme bien aimé, bien impliqué dans une église. Et tout d'un coup, à un moment donné, il a commencé à avoir un changement radical. Il a commencé à devenir un peu libidineux, pervers, jusqu'au point où il a même été proche de commettre un, un, des actes d'harcèlement au niveau de, 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 de pédophilie, enfin, quelque chose de très extrême et pervers. Et là, ils ont commencé à chercher un problème. Du jour au lendemain, comment cet homme-là a pu devenir aussi horrible? Ils se sont rendus compte qu'il y avait dans sa tête une tumeur et la tumeur agissait sur l'inhibition. Ils ont retiré la tumeur et là, il est redevenu du jour au lendemain lui-même. Là, tout le monde est content, rentré dans l'ordre, la science dit, bon, c'est juste une question de cerveau, ce pas sa faute. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quelques temps plus tard, il, il est capable de préserver le, le, le masque, tout va bien, tout va bien, tout va bien, il, il est devenu lui-même, mais à un moment donné, il retombe encore une fois dans ses péchés-là. Et là, on refait un scan du cerveau pour se dire, est-ce que ça se pourrait que la tumeur, elle est revenue? Et la tumeur n'est pas revenue. Et ce qui. Bien plus tard, l'homme est obligé d'avouer à un moment donné en counseling, c'est qu'il avait toujours eu ces pensées-là avant. C'est juste qu'avant dans sa vie, il mettait beaucoup d'efforts à gérer sa dépravation, à gérer son péché, à gérer son masque social, mais il entretenait ces pensées-là perverses dans son cœur auparavant. Et à un moment donné, il n'était juste plus capable. De se retenir et s'est laissé aller à son péché. La tumeur n'a pas changé sa personnalité, pas, la tumeur n'a pas mis dans son cœur des choses qui n'y étaient pas, elle a juste fait tomber ses forces naturelles, son masque social naturel biologique. Mais ces choses étaient déjà en lui et même après coup, il était, même lorsque la tumeur est enlevée, il n'avait plus la force de se, de se retenir socialement. Et. Edward Wesch parle justement aussi de l'Alzheimer, l'Alzheimer où on vieillit, on perd nos capacités cognitives. Et il va dire, souvent, on a l'impression, quand on voit des Alzheimer, des fois, on, on, dans certains centres, on peut en voir certains qui sont vulgaires, qui sont colériques, des fois même un peu libidineux dans leurs propos vulgaires. Et on se dit, c'est juste, c'est pas leur faute. Mais il dit, la réalité, c'est que ce n'est pas tous les Alzheimer qui sont comme ça. Il dit, j'ai traité, parce que c'était son sujet de thèse d'ailleurs, il dit, j'ai traité beaucoup d'Alzheimer dans ma vie. Et il dit, il y a des Alzheimer que ce n'est pas ça qui ressort. Il y a des gens qui ont passé leur vie à discipliner leur cœur devant Dieu, à entretenir l'idée de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, de la révérence de Dieu, qui ont passé leur vie à vouloir discipliner leur cœur pour la Seigneurie de Jésus. Et même quand ils perdent toute leur capacité cognitive, quand ils perdent leur masque social, leur capacité à se gérer, et que leur cœur est maintenant mis à nu, bien que ça reste des êtres humains imparfaits, il dit on voit que ce qu'ils ont discipliné toute leur vie ressort. Il dit, je vois la différence des chrétiens qui ont passé leur vie à se discipliner devant Dieu et ceux qui ne l'ont pas discipliné. L'Alzheimer ne crée pas de nouvelles choses, elle met juste nos cœurs à nu sans masque social. Et ça m'a à me poser cette question-là. Si un jour, toutes mes forces, hein, comme Gédéon, si un jour dans ma vieillesse, toutes mes forces physiques, cognitives, masses sociales et toutes s'affaiblissaient et se perdaient, et que mon cœur était mis à nu. Que reste-t-il? Que resterait-il de moi? C'est pourquoi j'ai cette prière aux oh yeux Je sens l'urgence de cultiver mon cœur, de discipliner dès aujourd'hui mon cœur à vivre sous ton regard, sous la crainte de l'éternel, avec passion pour toi et déraciné de mes idoles dès aujourd'hui. Si mon cœur était émanu, que resterait-il? Et en terminant, je, je, quand je pense à ça, je, je ne peux pas m'empêcher de, de toujours repenser à cette histoire où Pasteur Gaétan racontait que lui et son épouse Valérie allaient visiter le pasteur sous le ministère duquel il s'était converti il y a de ça des années, des années, qui était rendu maintenant âgé et Alzheimer, et que lorsqu'il venait le visiter, il restait presque plus rien, plus aucune force. Le monsieur, le pasteur n'était plus capable même de regarder dans les yeux le regard dans le vide, plus aucun mot qui sort, simplement une visite de courtoisie. Dit, à la fin de la visite, ils ont pris les mains et ont pris, encore une fois, pas là, regarde pas, pas présent, ils ont fait une prière, et ce pasteur-là avait l'habitude de toujours terminer ses prières. Avec la parole « victoire » dans le nom de Jésus. Et alors que Gaétan et Valérie arrivent à la fin de la prière, tout d'un coup, en un, un instant, le, pasteur, le vieux pasteur sort de sa léthargie et regarde dans les yeux avec passion. « Victoire » dans le nom de Jésus. Alors qu'il ne reste plus rien. Il reste encore ce cœur discipliné pour la gloire de Dieu. « C'est ce que je prie pour moi, Église. C'est ce que je prie pour vous. » Si vous êtes d'accord, allons en temps de louanges et de prières. Et prions de cultiver et de nos cœurs pour la gloire de Dieu.